Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien les amis en ce samedi! Samedi 3 avril, ce n'est pas un poisson d'avril! Joyeux anniversaire les amis à tous ceux qui sont nés un 3 avril, dont Inmoon de 974 et Annick Lima! J'espère que vous allez bien à l'aube de ce week-end les amis, force à vous! L'aube de ce week-end de Pâques, long week-end de Pâques, force à vous! Et donc aujourd'hui on enchaîne avec le groupe F. Le poisson de la win, tout comme hier, c'est encore exceptionnel, tout comme hier, les amis, il sera fait dans une vidéo indépendante, voilà, faute d'organisation avec ma très chère et tendre Bernadette, parce que c'est Bernadette qui est la créatrice de ce concept, les amis. Bon, c'est pas elle qui crée les poissons, je vous le répète, c'est elle a juste à les imprimer, mais voilà, c'est elle qui me les conçoit. Donc du coup, ça sera dans une vidéo à part. Voilà, en ce samedi, une deuxième vidéo. Ça fera pas de mal, les amis. Ça fait 2 ou 3 jours qu'on enchaîne 2 vidéos par jour. Même si c'est des plus ou moins grosses vidéos, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, donc c'est parti pour le groupe F. On fait un point. Groupe F, aujourd'hui, on aura le millionnaire face au mot croisé. Le millionnaire avait remporté son premier match face au x10. Et le mot croisé avait perdu 3-0 face au Vegas. Et le Vegas face au x10, les amis. Donc, en clair, c'est deux équipes, deux teams, deux tickets qui ont gagné leur premier match face à deux tickets qui ont perdu leur premier match. Donc, en clair, il faudrait qu'un des deux l'emporte ou les deux l'emportent pour pouvoir équilibrer le double. Parce que si les deux la gagnent encore, eh ben du coup, ils mettent les deux d'office les pieds en 8e de finale. Les deux pieds, les mains, les jambes, la tête, tout. Les oreilles, tout. Les cheveux. Bon, moi, en l'occurrence, si ça serait moi, je ne mettrais pas les cheveux. J'en ai pas beaucoup, les amis. Et voilà, ils mettent tout. Donc, c'est parti. On y va pour le premier match qui sera le Vegas face au x10, les amis. Tellement j'ai peur de me tromper, les amis. Hier, j'ai failli me tromper. Donc, je me suis trompé. J'ai commencé par gratter un peu dans n'importe quel ordre. Donc j'ai redécalé tout pour que ça soit un peu plus mieux à l'image. Mais c'était pas encore le top. C'est parti, le x10 face au Vegas. J'arrête ma flûte. Et dédicace à la pièce de Didirame. Dédicace à nos amis marocains, les amis. Grosse dédicace au Maroc. Ça faisait longtemps que je l'avais pas sorti. C'est la pièce fétiche de DD70. Grosse dédicace à DD70. Et toi-même, tu sais, force à toi, DD70. À l'heure où je parle, tu ne peux pas regarder la vidéo, mais force, force à DD70, les amis. Un max de likes pour DD70. C'est parti, ticket numéro 62. On y va. Le 27, le 33 et le 35. Le x10, il avait perdu contre le millionnaire 1-0. Score serré, mais c'était une défaite. Ça va les gars? Il pète la forme. Eh bien, ouverture de score du x10. Et c'est pas un x10. Oh, joli. Pour l'instant, on n'a eu aucune bredouille dans chaque groupe, les amis. Cette île, il coupe porte-bonheur. Zéro bredouille jusqu'... Oh, joli. Beau ticket. Décidément, cette île, il coupe. Un x5 et un x1. Bernadette. Mais ça va donner quoi, ça, les amis? Ben, ça peut donner 2 x 5, 10 fois, et 5 x 1, 5 ça ferait 15. Oui, il y a des lots à 15, ok. Ça peut donner un lot à 15, les amis. Ouh, même plus joli, il y a des lots à 25. Un lot à 25, ça serait joli. Et je crois que ça serait mon record sur le x10. C'est le tournoi des records, décidément, les amis. Ah, c'est pas le 35, c'est le 55. Donc on a x 5 et x 1. Joli ticket, les amis. Oh, joli les gars! Donc ça va être un ticket à 25! À 20, pardon! Il y a 15, il y a 20 et 25. Ah d'accord, je me suis fait avoir les amis, je croyais qu'après 15 c'était 25. Un ticket à 20, ben, c'est mon record! C'est mon record, ça y est! World record de la chaîne les amis! Non, c'est pas le record du monde, c'est le record de la chaîne seulement les amis. Eh ben magnifique DD70 et dédicace au Maroc, ça nous porte trop bonheur. 20 euros! C'est énorme! Encore un 10 points! Je vais faire des hélicoptères tous les jours, les amis! Même après le tournoi, on va continuer! Truc de ouf! 20 boules dans la besace, Bernadette! Ça fait 10 points, comme c'est un ticket à 2, les amis, il marque 10 points, voilà, tout simplement. Magnifique! Et bien alors là, le Vegas, il a intérêt à se tenir. En tout cas, ça rééquilibre tout. Le Vegas a intérêt à faire. À faire beaucoup. Faut un ticket à 50 pour qu'il l'emporte. Faut un ticket à 50. On a déjà fait le ticket à 50. Pourquoi pas? Magnifique, magnifique. 10, 23 et 13. Attends,
On a le 13, mais décidément, les amis, c'est quoi de ces matchs? Ces matchs incroyables, mais vrais. On a le 13, les amis. On verra après combien on a gagné. On bat pas 10. Vous allez bien, les gars? Donc là, on a rien du tout. Rien du tout. On a un gain, les amis. C'est parti. Numéro 13 en plus. Le 13 d'un ticket 10. Allez. Trois boules dans la besace, Bernadette. Bon, bah, il réduit le score. 10 à 1 pour le x10 face au Vegas, les amis. Mais on a quand même récupéré 13 euros sur seulement 5 euros grattés pour le moment. Et il reste le fameux millionnaire, le match attendu de ce groupe. Le millionnaire face au mot croisé, les amis. 10 pour le x10, comme son nom l'indique, à 1. Voilà, 1 pour le Vegas, les amis. Belle défaite du Vegas, mais belle victoire du x10 qui se replace dans le classement, les amis. Qui se replace même bien parce qu'il passe devant le Vegas. Il est bien. Il s'est mis bien. Là, le x10, les amis, il s'est mis bien. Là, franchement, il s'est mis bien. 13 boules, c'est parti. On gratte d'abord le mot croisé. Pareil, qui n'a pas le droit à l'erreur. Et puis, si par bonheur pour le millionnaire l'emporte, et ben du coup, le millionnaire prendra une belle option sur la qualif parce que le millionnaire prendra directement 6 points. Mais c'est pas fait. C'est pas fait encore. Parce qu'on en est au mot croisé. Tu as des 10-70, j'ai laissé la pièce de 10 dirhams se reposer, ça me porte bonheur. Tu me portes bonheur de là où t'es, des 10-70. Tu me portes bonheur. Oh, ah, il y a eu un accident, je crois. Je vais devoir quitter la vidéo et revenir. Petite intermittence du spectacle. On reprend, les amis. Cru, qui est le cru du stu cru. On n'a pas. Riche, riche, R-I-C-H. On n'a pas. Alors, bah, attendez, faut peut-être que je barre éventuellement. Mercredi, on n'a pas de E, les amis. Ah oui, on n'a pas de E, donc ça va aller vite, en fait. Malheureusement pour nous. Malheureusement pour la besace. Via, V-I-A. Allez, on a via. Allez, on peut faire quelque chose de sympa, les amis. Hop. Site, S-I-T. Bon, on n'a pas de E, on l'avait dit, les amis. Impact, impact, impact. Ça impacte. On n'a pas de C. C'est ça, avec modération. Pique, pique et pique. Pas de E, pas de E. Tonus, tonus, tonus. Pas de O. Nier, pas de E. Et puis, pas de E. Eh ben, c'est dommage. Zéro encore pour le mot croisé, les amis. Zéro pour le mot croisé. Et c'est parti pour le millionnaire qui fera au pire un match nul. Au pire des cas, fera un match nul. Et ben sur un bien entendu, sur un pas sur un malentendu, sur un bien entendu, qui peut nous faire fructifier aussi la besace du jour. C'est parti. Ticket 24. Je sais pas si je vous l'ai dit ou si je vous l'ai montré. Je ne me rappelle plus, les amis. Donc là, on n'a rien, les amis. Rien du tout. Oh, stylé. T'es le chef de la banane. Tu l'ouvres toute seule, la banane? Comme un grand. 1020, 10 000, 150, 50, et rien du tout. Et 10, 5, 10, 50, 150, 20, 100, 1000, 100 000, 10 000, rien du tout. 18 à battre, 20 à battre, 10 à battre. Bah oui, heureusement, t'es un grand garçon. À l'ouvrir. 18, on fait 15 de la manana. 20, on fait 19. Et 10, on fait 8. Un petit 1 devant, les amis. Regarde, on met un petit 1 là. Ça aurait fait un petit 18. Un petit 18, sympatoche. Alors, rien du tout. Maintenant, on va aller chercher la besace. La besace. La besace. La besace. Aucune besace, 0 à 0 entre le mot croisé et le millionnaire.
Donc, ça fait quoi au classement, les amis? On va faire déjà un petit point sur les résultats du match. On a 0 à 0 entre le mot croisé et le millionnaire. Deux tickets bredouille. Hein, quand il y a un 0-0, les amis, c'est un point pour eux. Mais pour moi, c'est la bredouille. Et par contre, Vegas et x10, ils ont fait le taf, les amis. 20 euros ici, 3 euros ici, on est en bénéf. On est en bénéf, on est en bénéf, on est. Parce que sur l'ensemble de la session, on a misé 13, 16, 18 euros. On en récupère 23, ça fait 5 euros de bénéf. On est en bénéf. Donc le poisson de la win arrive, hein, les amis. Hein, il arrive en fin de journée, je vous poste ça. Le poisson de la win de la chère Bernadette. J'espère qu'il va vous faire kiffer, puis qu'on sera pas dans bredouille dessus. En tout cas, ce qui est de Lily Coupe, pour l'instant, il n'y a eu aucun match, aucun grattage, aucun groupe où on a été bredouille. En clair, on n'a pas fait une seule session où on était bredouille. Il y a eu des matchs bredouille, forcément, mais il n'y a pas eu de session bredouille, et ça, c'est une belle chose. J'espère que je ne vais pas me porter la poisse en vous racontant tout ça. Donc, un petit point sur le classement, les amis. On a le millionnaire qui est en tête avec 4 points, plus 1 de goal average. On a ensuite le x10 qui prend la deuxième place avec, 3 points. Donc, égalité maintenant avec le Vegas. Mais sauf que le x10, les amis, a plus 6 normalement. Plus 6, en tout cas, c'est l'affichage qui est sous vos yeux qui compte. Et le Vegas, donc 3 points également, mais il a moins, moins 6. C'est ça, normalement. Et dernier, ben, le mot croisé avec 1 point. Rien n'est fait. J'ai envie de dire rien n'est fait, puisqu'entre la 4e place et la 1ère place, il n'y a que 3 points qui les séparent. Sachant qu'on a un Vegas face au millionnaire et un mot croisé face au x10 lors de la dernière journée. Donc le millionnaire, mathématiquement, est assuré de passer. Hein, je pense. En plus, on repêche les 4 meilleurs 3e, les amis, sur les 6 groupes. Donc il n'y a que 2 3e qui passeront à la trappe. Donc franchement, j'ai envie de dire que le millionnaire, on le verra assurément en 8e de finale. Peut-être pareil aussi pour le Vegas, les amis, quand on prend 3 points en général, on est pas mal, je pense, à voir. Hein. Je ne peux pas vous assurer ça, on regardera, on comparera ça, les classements, une fois que tout sera terminé, une fois qu'on aura fait les derniers matchs du groupe F. Et donc, dès demain, on repart avec le groupe A, les amis. Groupe A, dernier match du groupe A. Là, ça y est, on va avoir enfin des qualifiés. Et des potentiellement qualifiés, ça va être sympa. Ça va être sympa. J'espère que la compétition vous plaît. En tout cas, les amis, restez connectés. On a le poisson de la win qui arrive aussi aujourd'hui. Prenez soin de vous du jour. Poisson de la win du jour, les amis. Oui. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée, très bonne nuit. Tough la win.